dirigé par Mario Dumont. Il ne faut pas l'oublier, là. Parce que Mario Dumont va jouer un petit rôle dans tout ça. Et je m'inspire beaucoup du livre de Pierre Duchesne sur Jacques Parizeau là, dans le tome 3. On dit que un échange entre Mario Dumont, Daniel Johnson et Daniel Johnson fils et Jacques Parizeau au cours d'une commission parlementaire témoigne dans les jours suivants d'un véritable réchauffement politique entre l'ADQ et le Parti québécois. Alors que Daniel Johnson ridiculise la possibilité que les souverainistes en arrivent à une entente type de celle que l'on connaît en Europe, Mario Dumont réagit en disant « Si c'est l'opinion du chef de l'opposition, ce n'est pas la mienne. Et je pense qu'il est possible d'en arriver là. Et pour en arriver là, il faut d'abord sortir de l'ordre constitutionnel fédéral actuel. Et cela ne peut se faire que via une expression. Et il va y avoir, à ce moment-là, des sondages qui vont être faits. Et entre le 1er et le 12 mai, un sondage effectué par le Parti québécois donne 53,8% au oui, avec une nouvelle question incluant l'association économique avec le Canada. On dit l'option du Québec du oui est maintenant en avance dans tous les groupes d'âge, du moins de 55 ans, fait remarquer Normand Brouillette. Toutes les régions du Québec placent le oui en avance, sauf l'île de Montréal, Laval et l'Outaouais. Mario Dumont, lui, prend donc, il parle de, dans un référendum d'un droit à la souveraineté ou d'un mandat de souveraineté. Parizeau, il est vraiment très surpris de la prise d'opposition de Mario Dumont. Et Mario Dumont suggère même une question s'inspirant de celle élaborée par Louis Bernard lors des travaux de la commission Bélanger-Campeau, qui était ainsi formulée. Acceptez-vous que le Québec déclare sa souveraineté? Si, après une période de négociation de plus de 2 ans, une entente d'union économique et politique ne peut être conclue avec le Canada. Remarquez, là, on fixe un délai pour les négociations. On veut toujours qu'il y ait des négociations, mais on dit, si après 2 ans, ça n'a pas abouti, à ce moment-là, on peut déclarer l'indépendance. Et lors du débat à l'Assemblée nationale, Mario Dumont intervient et dit, est-ce que ce squelette cette construction de questions présente un quelconque intérêt. Et Parizeau répond à Dumont, « Je remercie le député de Rivière-du-Loup pour le vertu qu'il a manifesté. Ce que le député de Rivière-du-Loup, dans son intervention, a fait, c'est d'indiquer une sorte de démarche, un référendum destiné à, disait-il, un mandat sur la souveraineté et puis des propositions faites ensuite au Canada. On se rapproche là. Loin de moi l'idée de refuser à l'avance toute possibilité d'entente avec le Canada. » Je pense qu'on peut faire un bout de chemin, un bon bout de chemin ensemble. Et l'entente, il va y avoir une entente tripartite qui va être établie dès le 1er mai 1995. Le 5 mai, l'ADQ rend public un document intitulé « La nouvelle union Canada-Québec, institutions et principes de fonctionnement ». Et Mario Dumont, pour la première fois dans ce texte-là, admet qu'un référendum donne au Québec le droit de réaliser la souveraineté. Mais il insiste quand même sur l'Union Québec-Canada. Le 9 juin, Lucien Bouchard et Mario Dumont rencontrent Jacques Parizeau à son bureau à Montréal. Et les trois chefs conviennent d'une entente de principe. Il ne reste plus qu'au Conseil général de l'ADQ, qui siège dans les jours suivants, à entériner le document. Et Parizeau va expliquer que, en 1995, en 80, c'est-à-dire, c'était une entente négociée. En 95, il s'agit d'une offre formelle de partenariat, ce qui est très différent, dit-il. Et il va y avoir un changement dans l'avant-projet de loi du gouvernement du Québec, c'est qu'on ramène à 1 an après le référendum la déclaration de la souveraineté et non plus à 2 ans, comme il avait été question précédemment. Et on dit dans la discussion,
l'Assemblée nationale pourra déclarer la souveraineté dans les meilleurs délais. Le lundi 12 juin, les trois chefs doivent se présenter au château Frontenac pour signer officiellement l'entente tripartite devant un parterre de journalistes. Il s'agit de donner un spectacle, celui de l'unité des nouvelles forces souverainistes. Et là, il va commencer à y avoir des légères tensions entre Lucien Bouchard et Jacques Parizeau. L'entente du 12 juin stipule noir sur blanc que le référendum aura lieu à l'automne 1995. Et dès la première réunion des trois chefs, le 27 juin, Lucien Bouchard propose, et je le cite, « qu'une bonne enquête d'opinion soit préparée pour le début d'août, afin qu'on puisse faire une évaluation éclairée de la situation à ce moment critique. » Parce qu'on a l'impression que Lucien Bouchard ne tient pas du tout à ce qu'il y ait un référendum le 30 octobre. Et il va essayer de trouver toutes sortes de raisons pour faire en sorte qu'on retarde la tenue du référendum. Bouchard va dire « Ne prenons pas la décision tout de suite. Donnons-nous une plage d'évaluation quand on se reverra au mois d'août. » Même l'ADQ trouve que Bouchard commence à trop diluer sa position. Mais à ce moment-là, est-ce que les sondages étaient favorables ou défavorables à cette période-là exactement? À ce moment-là, les sondages étaient favorables au camp du oui. Par exemple, le 22 avril, il y a eu un sondage léger qui donnait plus de votes au camp du oui si c'était Lucien Bouchard qui le présidait. Il y a déjà là, on sent que Bouchard, par exemple, avec Lucien Bouchard à la présidence du camp souverainiste, le oui accueille 42,6% des voix contre 35,7% si c'est Jacques Parizeau qui est le chef du oui. Donc, c'est quoi la cause? Bien, c'est la cause, oui et non. Et dans le projet de loi sur l'avenir du Québec présenté à l'Assemblée nationale le 7 septembre 1965, on lit « L'Assemblée nationale est autorisée dans le cadre de la présente loi à proclamer la souveraineté du Québec. Cette proclamation doit être précédée d'une offre formelle de partenariat économique et politique avec le Canada. » Et au Conseil des ministres, quand Jacques Parizeau présente un nouveau projet de loi ainsi que la question référendaire, certains parmi les plus indépendantistes demeurent interloqués. C'est le cas de Daniel Payé. On n'a même pas le droit, on n'a même pas le mot « pays » dans la question. C'est tout simplement parce que Lucien Bouchard était contre le fait qu'on utilise le mot « pays » dans la question référendaire. C'est quoi son problème? Son problème? C'est qu'il n'a jamais été indépendantiste. C'est clair? Ouais. Bouchard avait quand même l'auréole du martyr. Il ne faut pas l'oublier à ce moment-là. C'est un miraculé. On va même lui présenter le drapeau du Québec pour qu'il le bénisse. Lucien. Mais c'est ça que Pierre Duchesne dit, mais ni Lucien Bouchard, ni Mario Dumont ne voulaient pas que le mot pays apparaisse. En septembre 1995, le premier ministre du Québec se limite seulement à présenter la loi à l'Assemblée nationale du Québec. À Alma, le 15 août, la pré-campagne référendaire est lancée en compagnie des trois chefs. Le plan de communication indique que la thématique générale de la soirée pourrait tourner autour du nouveau partenariat. Le partenariat entre celles et ceux qui croient à un changement, le partenariat dans un idéal pour l'avenir du Québec, le partenariat avec le Canada, le partenariat et l'égalité.
Et Parizeau fait remarquer que ça fait pas mal de partenariats. Le 8 août, Michel Carpentier fait observer au premier ministre que le Bloc et l'ADQ souhaitent accorder le moins d'importance possible à la promotion du préambule, tenant compte qu'il est axé sur la promotion de la souveraineté. Comme vous voyez, ça s'annonce bien et mal en même temps. Le 31 mai, on avait invité Marie Laberge et Gilles Vigneault au lancement de la lecture. C'est-à-dire qu'on devait lire le préambule du projet de loi sur la souveraineté du Québec. Et ça a lieu le 6 septembre au Grand Théâtre de Québec. À ce moment-là, il y a deux personnes qui n'assisteront pas à cette lecture-là, c'est Lucien Bouchard et Mario Dumont. Ça montre quand même qu'ils étaient un peu contre. Mais vous allez voir que quand on lit le texte que va lire Vigneault, ce n'était pas du tout dans les cordes de Lucien Bouchard et Vigneault. Lit donc la déclaration solennelle de la première phrase de la souveraineté, dit « Voici venu le temps de la moisson dans les champs de l'histoire. Il est enfin venu le temps de récolter ce que semait pour nous 400 ans de femmes et d'hommes et de courage enracinés au sol et dedans retournés. La conquête de 1760 n'a pas brisé la ténacité de leurs descendants demeurés fidèles à un destin original en Amérique. Ni les tentatives d'assimilation, ni l'acte d'union de 1840 ne sont parvenus à mater leur endurance. Pour les gens de ce pays, qui en sont la trame et le fil et l'usure, pour ceux et celles de demain que nous voyons grandir, l'être précède l'avoir. Nous faisons de ce principe le cœur de notre projet. Nous, peuple du Québec, par la voix de notre Assemblée nationale, proclamons le Québec un pays souverain. » Pardon? La salle, ça devait être en ébullition. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Ça avait passé... Est-ce qu'il y en a qui étaient au Grand Théâtre de Québec, non? Mais on a fait un film avec ça. Ouais. Ça a été projeté par après. Mais quand on dit que peuple souverain, un État souverain, c'était sûr que Bouchard et Mario Dumont, qui avaient lu le texte avant, parce que c'était le préambule de la Déclaration d'indépendance, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas être assistés là. Et là, on va commencer à semer l'inquiétude. Le 17 septembre, à Saint-Joseph-de-Beauce, lors du premier grand rassemblement des forces fédéralistes, Marcel Dutille, qui est le président de Canam-Manac, c'est le gendre d'Édouard Lacroix, qui avait été député nationaliste dans les années 1930. Déclare que pour mettre fin aux rêves souverainistes et aux querelles constitutionnelles, il faut que le non accueille 65 % d'appui. Dans la salle, bien des gens croient que cela est possible. Le lendemain, Michel Bélanger, qui est le président du comité organisateur du non, tient des propos durs à l'endroit de Jacques Parizeau, son ancien collègue des années 60. Il dit « On ne veut pas s'exposer au reste du monde en se prétendant un premier ministre qualifié en questions économiques et financières et en annonçant que l'on est un pays organisé pour faire des affaires quand on n'aura ni monnaie, ni banque centrale, ni contrôle du crédit. Quand on prétend que l'on va faire ça, il ne faut pas être surpris que certaines gens doivent le prendre pour un cave. Moi, je ne l'aurais peut-être pas pensé, je n'aurais peut-être pas dit, mais il m'en donne l'occasion. » Et d'ailleurs, Vincent Marissal, dans Le Soleil du 19 septembre 1995, titre son article « Bélanger traite Parizeau de cave. » Le 1er octobre, le chef du camp du oui choisit de dramatiser le jeu. M. Parizeau annonce, d'un ton grave, dans une allocution diffusée à la télévision, que ce rendez-vous référendaire sera peut-être le dernier. En somme, ce serait notre dernière chance de rompre avec l'immobilisme constitutionnel canadien. La dernière chance, ajoute-t-il, pour les francophones de devenir majoritaires dans leur propre pays. Une chance enfin de se donner ici un projet de société original qui échapperait à la vague conservatrice qui secoue l'Amérique. Et le 1er octobre, Jacques Parizeau s'adresse à la population et il déclare « Chacune et chacun d'entre vous
avez un devoir envers vous-même, envers ceux qui vous ont précédé, qui ont défendu et bâti le Québec. Un devoir surtout envers les jeunes du Québec. En 1980, René Lévesque, nous avons eu une première chance, avec René, nous avons eu une première chance de faire ce choix. Et maintenant, nous avons une seconde chance. Ce n'est pas donné à tous les peuples une seconde chance. Personne ne peut prédire l'avenir, mais il est possible que le 30 octobre soit notre dernier rendez-vous collectif. Et ça me rappelle la phrase de Gros en 1937, « Dans l'histoire d'un peuple, il y a des occasions qui ne se présentent qu'une seule fois. » Le 7 octobre, devant 1500 personnes réunies dans l'amphithéâtre de l'Université de Montréal, Parizeau annonce qu'en prévision des discussions qui se tiendra avec le Canada au lendemain d'un oui, il vient de choisir Lucien Bouchard comme négociateur en chef. Et là, dans les journaux, le lendemain, on parle d'un push. L'entourage de Jacques Parizeau préfère plutôt parler d'un ticket Parizeau-Bouchard, une expression qui ne sera jamais reprise par le comité journalistique. Certains vont jusqu'à affirmer que Jacques Parizeau n'est plus le chef du camp du oui. D'autres écrivent que Lucien Bouchard se retrouve maintenant dans le siège du premier ministre du Québec. L'éditorialiste Jean-Jacques Sanson du quotidien Le Soleil intitule son article « Le chant du signe de Parizeau ». Le journaliste reconnaît que peu de chefs politiques sont capables du geste opposé samedi par le premier ministre Jacques Parizeau. Il a placé la cause qu'il défend au-dessus de sa fierté personnelle. Et Jean-Jacques Sanson affirme que M. Parizeau ne récupérera pas l'autorité qu'il vient de confier à Lucien Bouchard. Le premier ministre a donné samedi un premier signal clair qu'il quittera les affaires. Le 8 octobre 1995, Parizeau déclare « Après tout le travail qu'on a fait, il faut sortir de là avec un peu de fierté. Ce n'est pas vrai qu'on va nous botter le derrière constamment, nous tourner en bourrique. Ce n'est pas vrai qu'on va nous dire « à genoux, à genoux ». Les anciens complexes face aux milieux financiers qui ont duré deux ou trois générations, ça va finir dans un mois quand nous allons dire à ceux qui nous méprisent « fichez-nous la paix ». On demande d'être responsable de nous-mêmes. Et vous voyez que le ton se durcit. Des nouveaux sondages indiquent que l'opinion publique bouge en faveur du oui. Et pour la première fois depuis des semaines, l'option souverainiste progresse et talonne le non. Le oui sera majoritaire pendant plusieurs jours au milieu du mois d'octobre. En partie, oui. Et Pierre Duchesne écrit, quoi qu'on dise, le premier ministre se rend bien compte que les Québécois sont en train de lui donner un signal non équivoque. Il préfère un chef négociateur plutôt qu'un chef de troupe. Et disons que Lucien Bouchard, je l'aime pas. Bon. C'est clair? Le 14 octobre, Lucien Bouchard y va d'une déclaration un peu surprenante qui va soulever un peu l'indignation des non-blancs. Écoutez bien ça. Il dit « Pensons à la capacité pour les femmes de jouer leur rôle de femme, leur rôle de mère, et en même temps de jouer des rôles professionnels. » C'est pas facile, ça. C'est pas réglé, ce problème-là. Pensez-vous que ça a du bon sens, qu'on a si peu d'enfants au Québec? On est une des races blanches qui a le moins de monde. Et là, c'est Françoise David, qui est présidente de la Fédération des femmes du Québec, également membre des partenaires pour la souveraineté, qui, elle, éclate. Pauline Marois doit désamorcer la crise et parler à ce porte-parole pour éteindre le feu. Puis, pendant une journée ou deux, les médias s'emparent des propos de Lucien Bouchard. Le président de SOS Racisme, Gabi Luanga Kambe, déclare publiquement qu'il soupçonne le chef du Bloc québécois d'envisager des politiques racistes dans un Québec indépendant. Et là, Parizeau va nécessairement se porter à la défense de Lucien Bouchard et va déclarer « Comment voulez-vous qu'on l'appelle la race pâle? »
Et à la mi-octobre, c'est du bon Parizeau. Il avait demandé à Jean Campeau, ministre des Finances, de préparer un plan de financement et de mesures financières. Et le document conclut que le ministère des Finances du Québec, Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et de placement ont besoin de 17 milliards de dollars de liquidités pour affronter l'éventuelle tempête financière qu'une victoire du oui risque de déclencher. 10 milliards, je croyais que c'était suffisant, mais j'étais surpris de voir 17 milliards, raconte Jacques Parizeau. Or, le document du ministère indique que ce montant est déjà amassé. Jean Campeau révèle que le ministère des Finances est fin prêt pour un référendum depuis la fin de l'année 1994 et peut compter sur 6 milliards de dollars. Et il déclare, notre budget d'emprunt est complété, nos marges de crédit ont été reconfirmées avec les banques, nos contacts ont été refaits avec les banques étrangères, surtout américaines. Le budget d'emprunt d'Hydro-Québec est également complété bien avant le référendum. Et Hydro-Québec peut disposer d'un peu plus de 3 milliards de dollars. Donc, on se préparait à ce moment-là à une éventuelle victoire du oui, parce que les sondages montraient que le oui était peut-être un peu plus fort que le non. Le 17 octobre, le ministre des Finances du Canada, qui est Paul Martin, là, on commence la campagne de terreur, on parle d'une perte de 1 million d'emplois au lendemain de la souveraineté, parce que le Québec sera exclu de l'ALENA. Le jour suivant, lors d'une visite à Washington du ministre canadien des Affaires étrangères, André Ouellet, le secrétaire d'État américain, Warren Christopher, déclare à Washington, « Je pense qu'il serait utile que je mentionne que nous avons cultivé très soigneusement nos liens avec le Canada. Je pense que nous ne devrions pas tenir pour acquis qu'un type différent d'organisation pourrait avoir exactement le même genre de lien. » Donc, le gouvernement fédéral commence à se... pas fédéral, mais le gouvernement américain commence à se mêler un peu trop des affaires québécoises. Et on dit que depuis quelques semaines, le diplomate communique avec John Rick, qui est vice-président chez Power Corporation à Montréal, lequel agit à titre d'agent de liaison du premier ministre chrétien pour la campagne du non. Et celui-ci informe l'ambassadeur d'une situation qui devient critique pour les fédéralistes. Tout ça sans rentrer dans le budget officiel. Ben non. John, tu fais le bar. Pardon? La dernière semaine de la campagne référendaire, c'est la semaine des grands rassemblements. Le 24 octobre, les sondages donnent le oui vainqueur. Alors, Jean Chrétien décide d'entrer en scène pour sauver le Canada. Et il s'adresse à une foule de 10 000 partisans du non réunis à l'auditorium de Verdun. Et là, pour lui, le vote référendaire qui s'annonce, c'est le choix fondamental et irréversible d'un pays. Pensez-y bien avant d'aller voter. Il s'agit de bâtir le Canada et non pas de le détruire. Et à Ottawa, l'inquiétude est telle que Jean Chrétien annule tous ses engagements pour se consacrer exclusivement à la campagne référendaire. Et le 25 octobre, il s'adresse à la nation canadienne lors d'une allocution télévisée spéciale. Et là, il parle du caractère d'urgence. Et on dit qu'il apparaît à la télévision avec un air très grave. Mais le tout va culminer le vendredi 27 octobre. C'est l'événement le plus spectaculaire de la campagne référendaire. À 3 jours du vote, on évalue à peu près 100 000 personnes le nombre de celles qui se réunissent à Place du Canada. Et on parle à ce moment-là d'un love-in. Et les grandes compagnies de transport du Canada, Air Canada, Canadian, Via Rail, Greyhound Line of Canada, Voyage Colonial, Trentway Vagar offrent des tarifs spéciaux surnommés le Unity Fare. Dans certains cas, les rabais s'élèvent à 90 % du prix du billet. De plus, un grand nombre indéterminé d'autocars et d'avions ont été nolisés par les organisateurs politiques et les entreprises privées qui défraient entièrement le coût des déplacements des manifestants. Plusieurs compagnies accordent même une journée de congé à leurs employés pour qu'ils puissent venir à Montréal
montrer aux Québécois qu'il les aime. Le directeur général des élections, Pierre-Yves Côté, va mener après les référendums une enquête qui va révéler que le bureau du premier ministre Frank McKenna du Nouveau-Brunswick et celui de la Nouvelle-Écosse a aussi participé financièrement aux manœuvres visant à transporter des milliers de manifestants canadiens à Montréal. Et la loi québécoise avait quand même fixé des limites aux dépenses maximales qui avaient été évaluées à 5 millions de dollars. Et pour que toute dépense soit légale, elle devait être autorisée par le Comité national du oui ou du non. Et selon une évaluation sommaire réalisée par les souverainistes, l'événement de la Place du Canada, lui seul, a pu coûter plus de 4 millions de dollars. 7 mois après le référendum, un premier rapport d'enquête publique permet à Pierre-Yves Côté, directeur général des élections du Québec, de déclarer que, et je le cite, « la marche pour l'unité a porté atteinte dans un certain sens à la démocratie générale au Québec au cours du référendum en rompant l'équilibre des dépenses qui doit exister entre les deux camps. 118 constats d'infraction sont émis. 80 individus et 11 entreprises sont visés. » Faut pas oublier qu'en 1995, on avait créé Option Canada, qui était présidé par un ancien ministre. Même le Toronto Star n'olise des autocars. Et Lucien Bouchard qualifie l'opération de manifestation de d'amour bidon. Et on dit que l'impact de ce rassemblement sera diversement analysé. Les uns croient qu'il aurait été déterminant dans la courte victoire du non, les autres pensent que ce soudain surtout de sympathie pour le Québec a plutôt été perçu comme une insulte à leur intelligence par nombre de Québécois qui ont décidé, à ce moment-là, de voter oui. Quoi qu'il en soit, le camp du oui promet de porter plainte auprès du directeur général des élections, car il estime que les dépenses encourues pour l'organisation de cette manifestation défrayée en partie par les personnes vivant hors Québec sont faites en contravention avec la loi sur les votes populaires. Il y a quelque chose quand même de fondamentalement antidémocratique dans cette manifestation-là. Je veux dire, on essaierait de faire l'inverse, on essaierait d'imaginer que, les Américains font ça, pour essayer d'influencer quelque chose par rapport au sable bitumineux. On verrait ça comme de l'ingérence pure et simple, et là, ça a passé. Oui, mais la différence qu'il y a, c'est que les États-Unis et le Canada sont deux pays distincts, alors que le Québec est une province du Canada. Donc, le Québec fait pour les anglophones, le Québec fait partie du Canada. Donc, à ce moment-là... Les règles ne sont pas les mêmes. Il y a un livre, si vous voulez vous amuser, de Robin Philpott, Le référendum volé. Mais c'est pas celui qu'on pense, par exemple. C'est pas celui de 95? Non, il parle autant de 80 que de 95. Oui, mais il parle aussi de... Non, c'est 1942, le plébiscite de 42. Non, c'est parce qu'il établit un parallèle entre non seulement 95, 80, 1942, puis 1898. Oui, celui de Turner. Oui, le Turner en 49. Oui, c'est parce qu'il fait un lien pour montrer qu'il y a une continuité dans la politique. Oui, mais il insiste quand même beaucoup sur celui de 95. Ouais. Quand il parle des allophones qui, à un temps record... ont obtenu leur passeport. Et il écrit, la chose est claire, c'est Philpott qui écrit, une chose est claire, le love-in du 27 octobre 1995 n'a pas été organisé par le Comité du Non du Québec, mais par le Canada, l'appareil gouvernemental et une armée de personnes affiliées au Parti libéral du Canada. À cet effet, le Comité du Non, dirigé par Daniel Johnson, fils, a soigneusement évité, dans la comptabilisation de ses dépenses référendaires, de prendre à son compte les millions de dollars dépensés pour venir en aide aux manifestants. Sur ce point, Pierre-Yves Côté félicite le camp du non. C'était remarquable. Le camp du non a bien joué son jeu. Moi, je n'avais aucune prise sur Daniel Johnson. La seule dépense qui était rapportée, c'était la location des micros, des haut-parleurs et de la scène. Mais en ce qui concerne les dépenses elles-mêmes, ils ont été prudents, ils ont été très bien protégés, ils ont très bien protégé leurs alliés. On n'a pas entendu depuis de protestation de leur part. Et la veille du Lovin,
Parizeau avait senti le besoin de lancer un appel au calme à ses troupes pour dire, bon là, soyez tranquilles, n'organisez pas de contre-manifestation, laissez-les faire. Et effectivement, il n'y aura pas de contre-manifestation. Et comment s'est déroulée la journée du 9, la journée du 27? On dit même qu'il y a des organisateurs libéraux qui étaient place du Canada à l'hôtel et qui regardaient avec des longues vues ce qui se passait en bas sur la place publique. Et on dit vers 11 heures, il devient à peu près plus difficile pour les Montréalais d'ignorer ce rassemblement qui gagne des proportions énormes. Jean Chrétien, Jean Charest et le chef du camp du Nord, Daniel Johnson, vont s'adresser à la foule et remercier tous ces Canadiens de venir leur dire leur amour et leur affection aux Québécois. Les médias notent la présence des premiers ministres Mike Harris de l'Ontario, Catherine Carlbeck de l'Île-du-Prince-Édouard, Frank McKenna du Nouveau-Brunswick, John Savage de la Nouvelle-Écosse. Dans les médias, par exemple, de Toronto, ça a été... Le Globe and Mail, c'était... On avait encouragé vraiment ce qui s'est passé. Sans se poser de questions sur la légitimité du financement? Non. Ben non. Ça, qu'est-ce qu'on voulait? Quand on veut prouver l'amour à quelqu'un, comme en 1923, à la suite des tensions qu'il y avait eues lors de la conscription de 1917, il y avait des trains spéciaux qui étaient de Toronto qui étaient venus à Montréal et à Québec pour dire qu'on nous aimait. Ce qu'on a appelé les trains de la bonne entente. Et d'ailleurs, à Québec, on a un boulevard qui s'appelle le boulevard de la bonne entente, qui rappelle cette visite-là de 1923. Et plus le temps passe, plus Parizeau se sent un peu mis de côté par Lucien Bouchard. Et arrive la journée du référendum. Il y a le nombre d'électeurs inscrits, 5 087 009. Total des votes exercés, 4 757 509. 93,52% des gens votés. Bulletin rejeté, seulement 1,82%, soit 86 501. Total des bulletins valides, 98%, soit 4 471 008. Option pour le non, on votait pour le non, 2 362 648, soit 50,58%. On votait pour le non. 2 307 308 360, soit 49,42%, on votait oui. Et la différence entre les deux est de moins de 50 000. Il y a exactement, la différence est 54 288 voix. Pardon? Si 25 000 personnes seulement avaient changé d'opinion. C'est ça que Jean-Hermann Gay écrit. Il dit l'écart entre le oui et le non s'établit à 54 000, soit un peu plus de 1 % du vote. Cela signifie que si un peu plus de 27 000 électeurs avaient voté autrement, cela aurait eu pour effet de renverser la majorité finale. Tout compte fait, cela représente un électeur par bureau de scrutin et guère plus. Combien de billets, comment de votes avaient été rejetés? Oh, excusez-moi. 86 000. Le nombre exact, je vais vous le donner. 86 500. Et Guy ajoute, avec un écart si réduit, on peut formuler toutes sortes de scénarios qui auraient amené un résultat différent, et plusieurs ne se sont pas privés. Il aurait suffi que les électeurs d'une seule circonscription de l'Ouest de Montréal ne se rendent pas voter pour que tout bascule. Il aurait suffi que les francophones votent aussi massivement que les anglophones ou que les électeurs des quartiers défavorisés se présentent aux urnes dans les mêmes proportions que ceux des circonscriptions privilégiées
et le cours de l'histoire aurait été peut-être différent. Si la Beauce ou la région de Québec avaient voté pour le oui, dans des proportions semblables au Bas-Saint-Laurent, le oui l'emportait. Quand l'écart est faible, la tentation de pointer du doigt les uns ou les autres est forte et chaque accusateur arrive à trouver une arithmétique pour justifier ses dires. À la limite, la différence étant mince, les causes présumées sont multiples et du même coup, les responsabilités pour ceux qui cherchent à en attribuer le deviennent également. Le soir du référendum, mais là, il y a différentes interprétations. Il paraît que Lucien Bouchard et Jacques Parizeau ne se seraient pas donné la main, mais d'après Lisette Lapointe, ils se sont donné la main, mais ils ne se sont pas dit un mot. D'après Lisette Parizeau et Bubetto aussi. Pardon? D'après Lisette Parizeau et Bubetto aussi. Et là arrive le fameux discours de... Jean-François Lisée avait préparé un texte, hein? Un texte pour la victoire du oui, un texte pour la victoire du non. Mais Parizeau ne tiendra pas compte du texte qui avait été préparé. Et à 23h09, il monte sur la scène du Palais des Congrès. Et là, Mario Dumont et Lucien Bouchard quittent la scène immédiatement avant que Jacques Parizeau ne s'y présente. Et Parizeau déclare, « Les 3/5 de ce que nous sommes ont voté oui. Ce n'était pas tout à fait assez, mais bientôt, ce sera assez. Notre pays, on l'aura. Il ne faut pas sacrifier au mouvement vers la droite qu'on voit envahir le reste du Canada. On ne sacrifiera jamais à ça. J'aurais bien voulu que ça passe. J'aurais tellement voulu que vous tous, comme vous tous, que ça passe. Si vous voulez... On va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous à 60 %. On a voté pour. On a été battus au fond. Par quoi? Par l'argent. Puis des votes ethniques, essentiellement. Et là, il va y avoir toutes sortes de réactions. Et moi, j'ai toujours dit, le plus surprenant, c'est les réactions qui vont suivre la déclaration de Parizeau du 30 au soir, alors que en juillet, 1966, au moment où Daniel Johnson père gagne ses élections, Pierre Nadeau lui dit, « Monsieur Johnson, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise. Vous avez 41% des votes. Le Parti libéral a 47% et vous vous trouvez premier ministre du Québec. » Et Daniel Johnson a répondu, « Mon cher ami, si j'enlève le vote des anglophones, des allophones et de l'argent, je suis majoritaire chez les Canadiens français. » Il n'y a eu aucune réaction dans les journaux. D'ailleurs, je le dis dans mon cinquième tour, j'ai regardé tout ce qu'il y avait dans les journaux, aucune dénonciation. Ça montre un peu l'évolution, si on peut parler d'évolution. Parce que, est-ce que, en fait, c'est ça, c'est polémique, parce que ça peut être ethnique au sens de nation linguistique ou au sens de... La pureté de la race. La pureté de la race. Ou les... Mais c'est-à-dire qu'il veut dire que, en fait, ce qui est vrai... Si on regarde uniquement le vote des francophones, si on fait abstraction que la région de Québec a voté non, le vote francophone était majoritairement pour le oui, comme il l'était en 80. Donc, ethnique, ça peut sous-entendre le vote anglophone, mais aussi le vote des immigrants. Le vote des immigrants, le vote des juifs, le vote des allophones. Donc, pour un immigrant, ça peut être perçu comme du racisme. Ah oui, aussi du racisme. Mais à la fin du... Juste avant le référendum, avant que le référendum arrive, il y avait déjà la polémique des immigrants qui avaient été acceptés in extremis avec l'entrée qui avait eu leur citoyenneté. Là. Oui. Au niveau des journaux, c'était juste les semaines d'avant, ça? Pardon? Au niveau dans les journaux, c'était juste avant le référendum que ça s'est passé? C'était avant le référendum, oui. Juste avant, là. C'est non, peut-être un mois avant. Ah, puis même dans les semaines et les journées qui ont précédé celui qui est À Ville de Laval, entre autres. Oui, puis aussi celui qui est en charge du cégep John Abbott, qui était un ministre de justice, un juge de paix, en passé la semaine qui précédait. Il était à Pointe-Claire. Et avec la citoyenneté canadienne, il y avait la carte de l'assurance maladie. Hein? Oui, puis aussi.
aussi, quand tu sortais du bureau, il y a le bureau central de poste ici, dans le centre-ville de Montréal. Il y a une salle, là. Je suis allé, moi, à un moment donné, puis dans la semaine précédente, dans le milieu de la semaine, il en passait là, à peu près à trois quarts d'heure. Il remplissait la salle, puis il donnait la bénédiction. Puis, là, les gens sortaient avec des petits paquets, des petits flags du Canada. Je sais que le comité du oui n'a pas été parfaitement pur non plus. Tout le monde a magouillé un petit peu. Moi, j'habitais à la Catalogne à l'époque, puis j'ai reçu mes papiers pour voter deux semaines après le référendum. Ah oui? Parce que les expatriés ont voté à 80% non. Donc, ils ont retardé de beaucoup l'envoi des papiers aux expatriés. Mais surtout en Catalogne, à ce moment-là, parce que comme vous étiez dans une région assez indépendantiste. Non, aux nouvelles, ils suivaient de très près. Ah oui? Mais les fédéralistes, je peux dire que le groupe Unité Canada, tout à l'heure vous avez mentionné le groupe CU. Ouais. Donc, eux se sont chargés d'envoyer 55 000 enveloppes avec les formulaires pour voter aux gens qui soupçonnaient d'être fédéralistes. Puis même si ça faisait plus de deux ans qu'ils étaient en dehors du pays, simplement en soulignant la loi, que la loi disait que s'ils avaient l'intention de revenir au pays dans les deux prochaines années, que ça leur donnait le droit de voter. On a eu beaucoup, puis aussi la journée du vote par anticipation dans l'ouest de l'île. Je regardais les plaques d'automobiles, c'est des plaques de l'Ontario. Et c'est pour ça que Philpott a raison de parler d'un référendum qui a été volé, dans un certain sens. Alors, comment va réagir Papa Parizeau? Bernard Landry va réclamer sa démission. Et Bernard Landry va déclarer à un moment donné que si Lucien Bouchard devient premier ministre, il va être son homme. Et le 31 octobre, Jacques Parizeau laisse entendre qu'il va quitter la politique. Bon, en fait, c'est dénoncé à peu près unanimement par l'ensemble. Mais la réaction était spontanée, c'est-à-dire que dès le lendemain, dans les journaux, à la radio, à la télévision, on a dénoncé les propos de Jacques Parizeau. Oui, mais Parizeau avait déjà préparé avant le référendum de partir. Il y a même une fameuse entrevue que j'ai chez moi, avec Stéphane Bureau, faite le jour même, le jour d'avant, parce qu'il dit « oui, si je perds le référendum, je m'en vais ». Oui, mais il savait fort bien qu'il avait été supplanté par Lucien Bouchard, ouais. Qui avait pu... un appui inconditionnel de la part de ses troupes. Mm-hmm. Voyez-vous dans l'équipe actuelle du PQ un successeur de Lucien Parizeau? Non. Mais par contre, Pauline Marois a toujours été fidèle à Parizeau. Alors que Bernard Landry n'a pas été. Est-ce que Landry n'avait pas supplié Parizeau d'ailleurs de lui ouvrir la porte pour qu'il devienne premier ministre parce qu'il fasse son rêve? Je ne sais pas. Il ne voulait pas que Bouchard pense avant lui. Mais... Bouchard a passé avant. Et dans sa déclaration du 31 octobre, il dit « Il y a 7 ans, j'ai fait un pari fou. Le pari de reprendre le combat que plusieurs disaient vain. J'ai fait le pari que les Québécois et les Québécoises ne se contenteraient jamais d'autre chose qu'un peuple. Et que la seule façon que nous ayons d'être un peuple, c'est d'avoir un pays à nous. » Et là, il va annoncer qu'il va se retirer. Il dit « Avec mes qualités et mes défauts, j'ai contribué à conduire ce grand projet au résultat du 30 octobre. D'autres, maintenant, lui feront franchir cette dernière frontière. J'annonce aujourd'hui qu'à la fin de la session parlementaire de l'automne, je libérerai les postes de premier ministre, de président du Parti québécois et de député de l'Assomption, que les Québécois et les Québécoises m'ont fait l'honneur de me confier. » Et le soir du 31 octobre, Bernard Landry déclare « Tous les yeux sont braqués vers lui, Lucien Bouchard. S'il croit qu'il est le meilleur homme, il n'hésitera pas à venir. Et s'il vient, je n'hésiterai pas à l'appuyer. » Qu'est-ce que ça laisse entrevoir, en fait, pour la suite des choses? Ben, c'est un peu un genre de mise en veilleuse de l'idée d'indépendance du Québec. Avec Lucien Bouchard. Et parce que pour moi, le seul
qui a été indépendantiste, inconditionnel, c'est Jacques Parizeau. Même René Lévesque était toujours souverainiste, associationniste. On a parlé l'autre fois du René Rindon en 1983, quand le Congrès avait voté majoritairement pour la disparition du trait d'union, et que lui dit « Moi, je peux retourner chez moi sans problème. Si vous gardez, si vous maintenez cette mesure-là, moi, je me retire. » Et là, on avait refait le vote, et c'est ça qu'on appelait le René Rindon. Et on a renversé la décision qui avait été prise peu auparavant. Et René Lévesque est demeuré. Et d'ailleurs, le simple fait qu'en 85, René Lévesque est tombé si rapidement dans le piège du beau risque. Mais Parizeau, pour moi, c'est un inconditionnel. Il était davantage riniste que néo-péquiste. Pardon? Il était davantage riniste que néo-péquiste. Oui. Et Bourgault va faire ses services en 95. Hein, pour lui demander non, s'il vous plaît. Ne vous prononcez pas. Et effectivement, Jacques Parizeau va demeurer en poste jusqu'à la fin du mois de janvier 1996. Et Pierre Duchesne écrit, il ne permet donc pas à Bernard Landry de devenir premier ministre par intérim. Il effectue même un remaniement ministériel. Il nomme Pauline Marois au ministère des Finances en espérant ainsi lui donner le maximum de visibilité et de crédibilité advenant une nouvelle course au leadership. Cette course n'aura jamais lieu, car toute la place sera faite à Lucien Bouchard, qui sera consacré chef du Parti québécois et premier ministre du Québec. Voilà. Il est 9h05. S'il y en a qui ont des questions... Oui. Si, au lendemain du 20 mai 1980, le Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois avait décidé d'abandonner le pouvoir, est-ce que la suite des choses est-ce qu'on serait plus près d'un pays aujourd'hui ou qu'on aurait notre pays? Pas nécessairement, parce que qui aurait pris la relève? Claude Ryan? Probablement. Et Claude Ryan était fédéraliste inconditionnel. Robert Bourassa va revenir plus tard. Robert Bourassa n'était pas indépendantiste. Pour moi, ça aurait été vraiment une catastrophe parce que le Parti québécois... Ah, sauf que le Parti québécois va commencer à faire des bêtises en 82, quand on va couper les salaires des fonctionnaires. On commence déjà, à partir de 81, on commence déjà à avoir un certain nombre de problèmes au sein du parti, au sein de ce gouvernement-là. Duplessis a déjà dit qu'un gouvernement qui est au pouvoir plus que 15 ans, le Parti québécois n'a jamais été 15 ans. Mais Duplessis était 16 ans. Il était un gouvernement corrompu. Mais le Parti québécois n'a pas été corrompu, heureusement. Mais l'histoire, vous savez, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est comme, par exemple, les gens qui me disent, moi j'ai fait un article dans l'actualité, si on avait accepté de devenir le 14e État en 1776, que c'était l'advenu du Québec. Ça, on fait l'histoire futuriste. Peut-être qu'il n'y aurait plus de langue française au Québec. Mais, pour moi, le drame du Parti québécois, c'est un parti qui regroupe des gens qui étaient d'accord sur un point d'arrivée, qui était l'indépendance ou la souveraineté et association, mais qui regroupait des gens qui allaient de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, avec des centristes aussi. Ce qui faisait que la société, on ne savait pas quel genre de société ils voulaient bâtir. Et c'est pour ça que c'est Turc qui veut présenter un projet de constitution. Ça pourrait être éclairant. Peut-être qu'il ne fera pas l'unanimité, mais ça nous donnerait quand même une idée du genre de pays qu'on veut bâtir. C'est parce que moi, je ne suis pas prêt à donner une carte blanche à un gouvernement si je ne sais pas où il s'en va. Et le drame, c'est peut-être un peu ça. Mais là, en lisant, en regardant ce qui se déroule dans l'actualité, on peut... C'est moche. avec votre regard d'historien, j'imagine qu'il y a des perspectives, des choses qui se dessinent, des continuels,
Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'un historien, c'est un prophète tourné vers le passé. Et on n'est pas plus habile qu'un autre à prévoir l'avenir. Il y a tellement d'impondérables. On peut suggérer d'éviter des écueils, par contre? Jean Charest reprend du poil de la bête. Mais des gens qui ont travaillé avec lui au fédéral, quand il était ministre de l'Environnement, disent qu'il n'a jamais livré de marchandises. Oh, mais ça, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ça reste toujours une question de point de vue de la personne qui a interagi avec à ce moment-là. Si on prend juste un exemple sur comment les choses peuvent être volatiles, sur PBS, il y avait un documentaire, je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, ça s'appelait Bush's War. De la guerre en Irak. C'est sûr, il part du premier jour à aller jusqu'à aujourd'hui, ou même avant, depuis le 11 septembre. Tout ça changeait d'une journée à l'autre, dépendamment de. Il préparait un scénario, ça ne marchait pas, il essayait d'autres choses, il essayait de rattraper. Donc, il n'y avait pas, on pense que c'est une idée fixe, puis un continuum, et tout ça, mais c'est plein de. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour tout virer ça de bord. L'avenir, c'est. Mais la politique, c'est l'art de l'improvisation. Oui. C'est jamais à long terme. Non. Un bon politicien, le mot politicien, d'ailleurs, c'est péjoratif. Hein. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter aux circonstances. Ça. Celui qui s'entête. Bush s'entête actuellement avec la guerre en Irak. Mm-hmm. Puis d'autant plus que c'est Dieu qui lui dit de continuer. Oui, son Dieu à lui. Moi, mon Dieu, tu fais quelque chose. Pourtant, le sien, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est ça. Mais ça reste malléable quand même. C'est volatile. C'est pas. Ah, actuellement, vous savez, comme les chiens.